Ah, Eric qui est déjà là. Ouverture, nouveau vlog, il faut que j'aille, Il vient me chercher pour faire des courses. On n'a toujours pas, ça passe pas, pour changer les meubles. Je l'attends, je pense qu'on va le passer par la fenêtre. Summer is coming là. On est allé du coup, histoire de se dépayser un peu dans un supermarché, on n'a pas l'habitude d'y aller. C'est vraiment la sortie. Là. Je commence à avoir des serres, moi c'est compliqué, hein. Je suis épuisée. Et ça n'aide pas quand tu fais de l'ordi comme ça, je crois que je dors mal. Je crois que je dors bien, mais en fait je dors mal. Ça craint. Je sais qu'il y a des mondes, des trucs, mais j'ai peur de pas la supporter. Pour connaître ton vrai sommeil, je vais me faire peur, je pense. Je vois plus rien. À la base, j'y allais pour m'acheter une grosse barrette, notamment. Tu penses bien que je l'ai oublié. J'ai pas acheté. Mais je suis pas derrière le meuble. J'espère qu'il va trouver une solution pour virer ça. Je vous dis, ça ne passe pas. Le seul truc, c'est par la fenêtre. Quoi que ta voiture, elle est là, on peut peut-être... Wow. Puis en plus, je t'ai dit que je savais parce que j'en faisais... Non, mais au moins... Non, mais je veux bien que tu réfléchisses, mais comment on va le faire passer? Je l'ai dit, mais deux secondes. Coup de génie pour ce soir. J'ai eu une envie. Ça, c'est depuis que j'ai mangé le tagine chez maman. Un couscous pour nous deux. On va se régaler. Hein. Pardon, couscous royal, poulet français, sans arôme artificiel. C'est pour 3 personnes. Pah, tu parles. Ça, je vais les goûter tout de suite. Je ne le connais pas du tout, même donner envie. Les chips, la chips millésime au poivre timut. Cuisinée sur la presqu'île du Médoc. Et oui, pour l'instant, il n'y a pas d'odeur particulière. Il faut goûter ça. Tu me dis. Pas trop salé ? C'est de la chips quand même. Hein. C'est bon, hein ? Mmh. Par contre, c'est drôle. Au début, le poivre, tu le sens pas. C'est très agrume. Et ça vient après. Oh, c'est bon. Mmh. Une tête en vrac, moi. Regardez ce que j'ai trouvé. J'en veux depuis un moment. À chaque fois, elle est entière. Donc là, là c'est cool. Toi, tu m'as trouvé ça. Bonne idée. Pas mal, ça. Volvic bio, citron, pamplemousse et romarin. Ça doit vraiment désaltérer ce truc-là. Zéro sucre, zéro additif, zéro édulcorant. Ça vend du rêve. Je me suis pris ça. J'ai pris ça parce que le mien, le biphase, il n'y avait pas. Donc j'ai pris de la même marque. À l'eau de rose. Sur un coton, je le fais de temps en temps. Je mets au congèle un petit peu pour venir décongestionner. Pour mes yeux un peu cernés, ça va être pas mal. Baguette, baguette. Bon, ça vient de supermarché. Mais bon, comme moi, je le fais griller le matin, ça passe. Eric, il me dit... Oh, dans les trucs là, les conneries pour se gratter le dos. Non mais s'il te plaît, en fait non, tu vas pas aimer, tu vas pas aimer, c'est du timut. Non, non, laisse mes chips, suffit. Bah pardon, la pâte aussi. Non mais oh, je sens que c'est mal barré avec ce truc là. Ça va rester, tu parles, je vais te dégager ça, moi. Il était bien défoncé, hein. C'est pour ça que je mettais le plaid, vous avez vu, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal confortable. Ça, je vais me mettre au frigo. Hop, ce soir je vais être bien contente. Ça descend tout de suite. Je vais m'étendre une petite lessive qui a tourné pendant que nous étions en course. Hop. Par contre, je suis un peu deg parce que ça, c'est la lessive que j'ai achetée. Donc sur le moment, je trouvais bien quoi au niveau de l'odeur. Et en fait, elle m'entête. Pour le commun des mortels, je pense que c'est une odeur qui plaît. Mais c'est tellement fort. En plus, bon voilà, je suis un petit peu migraineuse. Et à la longue, c'est pas ouf. Mais bon, je vais quand même l'utiliser. La prochaine fois, je ferai un peu plus gaffe quand même. Et ça m'a l'air bien sec. Je vais pouvoir tout plier. Mon masque, mon indispensable. Je l'ai un peu customisé à ma taille. Il est hyper confort. Oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, j'ai commencé. J'ai ouvert ce vlog, il était déjà 17h. It's time to manger couscous, là. Non. Attends, maman va percer l'opercule. Hop, 9 minutes au micro-ondes. Et ce qui est cool, c'est que j'ai de la coriandre, parce qu'avec, ça se marie très très bien. J'aime beaucoup trop mon petit coin. La prochaine fois que je vais chez Maison du Monde... D'ailleurs, ça ne saurait tarder. J'ai des petites idées. Je vais peut-être mettre un petit point de lumière en plus là. Je vais aller me faire ce que je vous disais aussi. Donc là, je l'enlève. Il sent super bon, dis donc. J'avais pas remarqué tout à l'heure. Hop. Direction le congèle. Pas très longtemps, on va dire 10 minutes. Jack, il fait son petit tour de garde là. Il surveille tout, puis après, il va se poser. Il est 22h38. Eric est parti nous chercher des glaces au McDo. Si. Je vous dis, je peux plus du tout bouger.
Comment je peux savoir? Bah, je sais pas. Là, il y a du chocolat. Tu vois, c'est caramel, c'est celui-là. Oh, purée. C'est ça. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est une nouvelle journée. Il est presque 14h, j'ai pas encore mangé. Du grand n'importe quoi de ça parce qu'Eric, ce midi, est pas là. Et en général, il y a Eric qui est là pour dire bon, on va manger. Et quand t'es devant l'ordi à faire du montage, bah tu vois plus le temps passer. Je viens de m'appliquer, ça se voit pas hein, pour l'instant, parce que je viens vraiment de le faire. Enfin, l'autobronzant que j'ai acheté il y a un mois et demi. C'est le Nuxen Mousse Autobronzante. Je crois que c'est une... Enfin, elle me l'a vendue en tant que nouveauté, la pharmacienne. Je l'avais acheté au Sable de l'Olympia. Moi, je le mets pas sur le visage. J'aime pas trop, ça m'assèche, même si je sais que tu mélanges avec ta crème. Je l'ai pas mis. Peut-être que je ferai un test quand même. Pour l'instant, je l'ai mis vraiment sur l'intégralité de mon corps. C'est pour ça que j'ai mis ça. Parce que c'est très léger, comme ça, ça va pas faire de traces. Et je vais voir comment ça évolue, j'espère que j'ai pas déconné. J'aime bien quand il y a les gants, moi, les gants d'application, mais là, il y en avait. Premier temps, je mange, et après, je vous reprends, parce que... Attendez, walk and go, c'est du fleurimichon. Ça a l'air sympatoche. Et en dessert, je vais me faire ma pastèque. J'ai complètement oublié hier soir. J'aurais mieux fait de prendre ça plus tard. Ah bah tiens, en parlant d'hier soir. Ouais, la glace, trop. C'est trop. C'est n'importe quoi, mais bon. Très déçue du couscous. Bon, ça vaut pas du tout le tagine que ma maman a fait l'autre jour. En tout cas, le poulet. Ça avait pas de goût, la semoule avait pas de goût, les petits légumes pareil, fade. La merguez pour le coup, trop de goût. Le poulet, c'était à la limite le poulet. Mais enfin non, désolé. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur et il n'y a pas d'arôme artificiel. Le temps que ça chauffe, je me pose. Je regardais mes commentaires sous ma dernière vidéo, comme je fais habituellement. Et là, j'ai reçu des messages, deux ou trois messages, où très honnêtement, j'ai pas tout compris. Pourquoi ils avaient été mis, dans quel but, est-ce... J'ai envie de vous les partager pour que vous me disiez, parce que vraiment, j'ai pas compris. Alors on en a un déjà, ça commence par « Bonjour, pourquoi tu attaches tes cheveux ?» J'ai pas compris. C'est comme demander à quelqu'un « Pourquoi tu as mis cette robe ? Pourquoi tu t'es couché si tard hier ?» Enfin, je sais pas, « Pourquoi tu t'attaches les cheveux ?» Et je lui ai répondu « J'ai pas compris. » Et l'autre message, pareil, « Hello Caro, c'est mignon, j'aime regarder tes vidéos, mais ce qui me dérange, c'est que tu passes ton temps à te regarder dans ta caméra. » Je vais pas filmer comme ça en vous parlant sans vous regarder. Et là, c'est la vidéo, c'est la caméra de contrôle pour justement que je contrôle si c'est pas flou, si c'est net, s'il n'y a pas un problème. Mais non, je passe pas mon temps. Regarde, on est toutes, quand on vlog, quand on filme, on est toutes à regarder l'objectif, à regarder la caméra. C'est un petit peu du bon sens. Donc ça j'ai pas compris. Tu vas patienter 2 secondes. Voilà, donc ça. Tu passes également ton temps à te recoiffer. Ça, c'est pas faux. J'ai un petit tic. Je touche quand même pas mal mes cheveux. Ça, c'est vrai. Mais bon, je passe pas tout mon temps non plus à me recoiffer. Et serais-tu capable de faire une vidéo sans make-up ? Nature peinture, quoi. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de nature peinture. Hein. Je suis toujours un minimum make-upé. Mais d'ailleurs, attends, hier soir, j'ai plus de make-up. Quand vous me voyez là, à la fin, juste avant les glaces ou après les glaces, je ne sais plus. Il y a no make-up. De là à ce que je me filme toute une journée sans make-up, c'est pas moi, quoi. Je le fais pas en temps normal. Donc, pourquoi je le ferai en caméra ? C'est le genre de commentaire. Si vous acceptez de regarder un créateur de contenu, vous l'acceptez tel qu'il est et ce qu'il vous propose, quoi, parce que vous allez être frustré. Je suis pas une marionnette. Ça sous-entendait, je suis pas con, hein, pourquoi tu t'attaches les cheveux ? Ça ne te va pas quand t'as les cheveux attachés, tu vois, c'était un petit peu sous fond de... c'est très étrange, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai reçu l'Oberon, parce que là, ça y est, depuis que j'ai acheté le luminaire, j'ai toutes les collections, et celle-ci, c'est la collection automne. Lui, il est beau, il est très très beau aujourd'hui. T'es très beau ? Les papates sont bien rangés. C'est bien. Il a passé toute sa matinée dans le fauteuil. Lui, il kiffe, hein, mais il n'y a vraiment que lui. C'est le moment de dégainer la petite pastèque. Waouh. C'est vrai qu'en soi, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais le peu de goût, c'est subtil. Puis c'est super rafraîchissant. J'adore. Ma dent, moi. Est-ce que maman va dézinguer la pastèque ? C'est possible. Alors, je vous fais le petit topo. Je viens de tourner une vidéo là pour ma page Insta. J'ai envie de m'y mettre un petit peu plus sérieusement. C'est dur hein, d'être partout en même temps. Mais je vais me tenter ça. Et en fait, j'avais pas vu. Il est 17h passé. Eric est parti à midi. Et en fait, il m'a appelé tout à l'heure, deux fois, pour me dire qu'il galérait. Il est dans les embouteillages, il y a des déviations, il est parti avec son fils, bon bref, pour un rendez-vous.
Et à ce rythme-là, il va louper le match. Match qui est à 18h, il va pas être content. Attends, hop, hop, hop. D'ailleurs, je sais pas si au moment où vous voyez cette vidéo, ça sera sorti, mais vous me direz si vous aimez bien ce nouveau format sur Insta de réel. Je viens de passer dans la salle de bain, bah, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors non, ce n'est pas une collaboration, c'est chiant de devoir se justifier. Je l'ai bien acheté, mais c'est juste que vous ayez visuellement un petit peu une idée. Voilà, ça y est, bien arrivé. Et sur le fil, bébé, hein. Bon, t'es parti à midi quand même, il est 5h presque. Ouais, ça m'a pris mes jambes. Et imagine que j'ai pas pu me faire remplacer au conseil d'administration. Là, c'est ce que je faisais. Il y avait un conseil d'administration ce soir. C'est ce que je faisais, là. Mais j'y vais. T'y allais où? Au conseil d'administration. Ah bah oui, bah là, t'aurais eu... J'aurais eu 0 minutes. Ah, j'avoue. C'est-à-dire que je déposais, puis je remontais. J'avoue. Voilà à quoi ça ressemble, un chat qui passe sa journée dans le fauteuil. Profites-en, parce que papa, il va bientôt l'enlever. Hein, c'est vrai. Alors, que je fasse un test, il va savoir celui que je garde et celui que je jette. Ouais. Il va y avoir plus qu'un fauteuil là-bas. Ouais, je sais. Et après, il faut qu'on nettoie tout aussi, avant. Et que je vire aussi, que j'aille à la déchetterie, que je jette un lit. On ira ensemble, t'inquiète. Un lit, des fauteuils. Bah, faut qu'on voit l'état, ouais, c'est sûr que s'ils sont cassés, ouais. J'ai pas un truc à vider. Oui, tu veux qu'on commande? On va commander pour ce soir la pizza pour... alors, pour qu'on l'ait pour 19h15, c'est bien. Oui, donc comme je vous ai dit, les deux prochains jours, je vais être occupée, je vais être prise, donc ça va être compliqué pour moi. C'est pour ça que je vais arrêter là, maintenant. Ce vlog, c'était pas un vlog très très long, mais je voulais quand même vous publier quelque chose. Ouais, j'arrive, et sans rancune, pour tout à l'heure, les commentaires, mais... Et des fois, ouais, c'est un peu déroutant. Juste avant de monter, ce qui va me rappeler... Là, nous sommes mercredi. Vendredi, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Par contre, pas d'inquiétude, elle sortira soit samedi, soit dimanche. Et dans tous les cas, même si elle sort dimanche, je ferai en sorte de vous mettre même une vidéo lundi. C'est bon. De toute façon, regardez sur Insta, je vous dis toutes les parutions, je vous tiens au courant. Ah, et puis, on va vite voir le résultat. Ah, là, ça fait combien? Ça fait 5-6 heures que je l'ai mis. Ah, ça commence, j'ai l'impression. Je vous embrasserai fort, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous, ciao.